Bonsoir tout le monde, c'est un test. Bon, ben un test. On s'en va sur un nouveau serveur, Garry's Mod, puis je sais pas si ça va être bon. J'ai downloadé des texture packs, puis des add-ons pendant genre 40 minutes. C'est pour ça que je stream à 8h au lieu de 7h30. Même pendant 50 minutes que j'ai fait ça. Puis là, il y a encore du mauve dans mon écran. C'est un petit peu décevant. Mais fait c'est ça qui est ça. On va commencer. Ok, on va choisir un métier. Sont tous habillés en bleu, les barman. Ça y est, gentil. Non, ah! Je suis un barman. Qu'est-ce que je vais faire? Possédé par le gouvernement. Ça, c'est-tu un bar? Ça va, c'est zéro, puis je suis barman. La faim est à 99 sur combien sur 100? Merde. Il y a de la faim dans ce serveur-là. Bon, je m'écris un compte de banque. Je me dépêche, j'entends quelqu'un attaquer. High enough player rank. Oh, ok, j'ai déjà un compte. Nice. J'ai 97 de faim, ça va ben trop vite. Ça fait 30 secondes sur le serveur. Ok. Bon, ben on va quitter ça parce que ça a l'air que le compte est déjà créé. J'ai juste 500 pièces. Là, j'ai 900 pièces sur moi. Il y a un petit peu d'erreur au... c'est les lumières. Bon, c'est-tu dangereux? Si je suis un barman, faut que je trouve un bar. J'entends des balles de fusil. Je vole dans. On est au, dans les cieux. Au paradis. Vendeur d'armes professionnel. Bienvenue. Non, merci. Pas mon permis. Ça, c'est quoi? Grâce générale hôpital. Oh, ok. Un hôpital. C'est la mode, hein, les lumières. Il y a beaucoup d'erreurs, mais. Ouf. Un genre de 50 minutes de download. Fait on va y aller comme ça. On essaie de se trouver quelque chose de nice. Oh, GM. Ça veut dire qu'il y a un moteur. Il y a un garage ici, si tu veux être garagiste. Mais j'ai pas vu le choix garagiste. On fait comment pour faire un mandat s'il n'y a pas de maire? Vendeur d'armes. Ouvert. Bâtiment gauche du parking de la mairie. Pas cher. 200 pièces de bénéfice seulement. MK, M4A à 600. On est combien dans la game? On est beaucoup. L'arrêt d'autobus, très original. Ensuite, oh, inverte, je peux y aller. Oh, ça c'était quoi ça? Les ambulances. Et après ça, si c'est ambulance. Ok, peut-être. Moi, je suis quoi, un barman? Avec le bar, je peux le faire moi-même. Ça a coûté 30 pièces. Nice!
Bon, ça ressemble pas à un bar. Je pense qu'on va mettre une pancarte parce que le monde. Pancarte. On peut écrire quelque chose dessus. Bon, ça, je ne sais pas comment ça marche. C'est peut-être avec le tool kit là. Propriété physique. Pas de collision. Non, il n'y a pas de pancarte. Mais c'est pas grave. Si je mets une grosse tasse comme ça, ils vont savoir que c'est un bar. À moins qu'il y ait une mug de bière. Il y a plein de trucs rouges. Ils peuvent être classés comme ça, les objets. Roleplay props. Et on voit si y a quelque chose de bon là-dedans. Un comptoir là. Hop, board. Pour les toilettes, je crois. Hey, hein? Ça commence bien. Faut que je pète la vitre, c'est vrai. Les vitres se pètent facilement. Wow! Je sais pas ce que j'ai fait là, mais parti. C'est quoi cette histoire là, là? Et je fasse clic droite absolument. J'entends des balles de fusil là, allez vous battre ailleurs. Chaise, elle va m'avoir. Ah! Elle est revenue droite. Salut LOL Gamer, j'ai très de la misère. Je vais l'avoir. Quand je la lâche, elle flippe demain. Oh yeah! Merci du follow, Bilou. Ok, pourquoi quand je lâche le truc, il commence à flipper dans les airs, comme si le gun était trop fort. J'entends des balles de gun, ça fait peur. Hein? Ça ressemble-tu à un bar? Au Québec. Oh là là, je me compte des jokes. Bon, bon, bon.
J'espère que je n'ai pas pété la fenêtre. Caroline. Des choses qui arrivent. Désolé. Aussi? Bon, on est dans le même pays. Yes, sir. Faut pas que j'ai l'air québécois. Hein? Oh. Ça, c'est le dossier ou ça, c'est le dossier? Pas facile comme question. Ouais, il est transparent, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, il est réapparu en lévitation. Et lévitation. Ouais, il est vissé au mur. Je peux pas péter ces fenêtres-là? Ok, parce qu'il y a des fenêtres qu'on peut péter. Avec les props. Mais là, je sais pas, elle. Mais tu me dis que non. C'est chill. Oui, il croche la table. Je pense que la petite patte est dans les airs. C'est un peu loin, hein? Oh, puis non. J'avance. Alt-E. Au revoir, la table, je l'ai accrochée. Non. Dans Montréal. J'ai de la famille à Saint-Jean. On s'est peut-être déjà vu. Là, je la mets loin parce que sinon, quand je débarque, ça marche pas. Ok, là, il faut que j'arrête de faire ça, faut que je fasse le bar. Le bar, le bar, le bar, le bar. Ça ressemble-tu à un bar? Ça ressemble à quelque chose qui va dans la salle de bain. La construction dans ce jeu, oh my god, c'est pas facile. Mais comme je te dis, s'est peut-être déjà croisé. On ne sait pas. Ah, oh, ça c'est le lavabo. T'as-tu un PS4 étanche? Hey, mets des T, man, au lieu des D, tu mélanges tout. Non, j'ai pas un PS4. J'ai un PS3. Mais je suis plus ordinateur. Un trou dedans. Le jeu est vraiment buggé là. Je lâche le meuble puis pow, il explose. C'est à l'endroit le meuble où le brun il va en haut, le brun foncé, je sais pas.
quasiment un beau bar, j'en ai pas. Il y a des bombes, il y a toute la kit. Ouais. C'est chill. Là, je cherche le stacker. Ah mais c'est très compliqué hein, quand même là. Hey! Oh oui, je suis encore un débutant. J'ai genre 12 heures de jouer dans le jeu. En tout cas, on va faire semblant qu'il n'y a personne qui est en train de se tirer dessus. Stacker, il est là. Bon, là on va dire vers la gauche. Ça marche même pas. On va dire vers la droite parce qu'on va dire que le, je connais pas ma gauche puis ma droite. Props comment? Parce qu'il faut que ce soit beau là. C'est un magasin là que je fais. C'est le plus beau que j'ai trouvé. Non, 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 je vais pas le copier. Merde. Ah, il y a du monde en ville. Oh my god. Je tasse mon sofa. Ah non, dans le fond. Faut que je le mette dehors. Maudite poubelle d'un jambe. Wow! Bonjour Max, ça va? Oui, j'ai encore plein d'erreurs, mais j'ai fait un 50 minutes de download pour avoir toutes les add-ons.
Puis là, pas une ça à faire. Je me suis dit, c'est pas pire. Ouais, je suis débutant. Fait que. Oui, ça va bien. Précision, hein? Précision, j'ai vu ça tout à l'heure, je pense. Précision. Propulseur? Précision. Pourquoi tu veux que je le pousse là? Il est parfait. Non, non, ok. Là, il est correct. Mais mettons précision. Comment ça marche? Ok, je l'ai trouvé, mais c'est quoi la précision? Comprends pas. Parce que là, je me suis dit, je vais coller les meubles, tu sais, tant qu'à faire. Avec ton affaire de précision. Mais là, ici, il faut que je mette une porte. Ouais, c'est ça. Élysion, le 1. Max, tu l'as trouvé tout de suite. Une machine. Non! Qu'est-ce qui s'est passé? La clic droite, ça l'a poussé un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ouais, ben c'est compliqué, hein. J'apprends une affaire à la fois, là. C'est trop compliqué la précision. On va aller dans le stacker. Aller vers la droite. Hey! Bon, on va dire que c'est tout précis. Bonjour, monsieur. C'est ouvert. Bonjour monsieur, oui, c'est ouvert, je suis en train de préparer le bar. Ok. Parce que je travaille pas loin, puis je me demandais si vous aviez des bouteilles d'eau. Ah, je vais aller voir, je crois reconnaître votre voix, mon cher. Aïe, 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 je te dis. Ben ça se peut, moi c'est l'agent Nikonov. Ouais, je crois qu'on s'est déjà rencontrés. Ouais. Là, attendez, je vais checker, voir si j'ai des bouteilles d'eau. Oh là là, comment qu'on fait pour mettre des bouteilles d'eau? Objet. Je veux pas des printers, je veux une bouteille d'eau, là. Métier. Ouais, c'est chill. Mais, ouais, j'ai besoin d'un cours, mais là. Faut que je trouve comment qu'on vend des bouteilles d'eau. Ah, boutique! Ah non, non, pas boutique. Pas boutique, pas boutique. Forum, add-on, nourriture. Nourriture, rien de disponible. C'est de la nourriture, hein? Pourquoi y a rien? Monsieur, j'ai regardé dans mon stock de nourriture, puis on dirait que j'ai pas de bouteille d'eau, mais je vais continuer à regarder, là. Au pire, conseillez-moi. C'est où tu m'as dit, toi? Mets-toi à cuisiner pour ça. Ben, c'est quoi vous avez d'autre? Arm case.
En barman, on sait rien faire. Salut ZK. Sur Elysium. Ben, j'en ai pas d'argent, fait que même s'il viendrait me voler. Menottes, adrénaline. 12 000 euros, t'es-tu malade? Menottes. J'ai des menottes. Quoi? Ok, c'est bon, ZCAC. J'ai des menottes à vendre. Ouais, non, j'en ai déjà. Oh, merci du follow, ZK. Mais c'est Ok. quoi que tu vends? Ah, ben, j'ai regardé dans mon inventaire, puis je pense que j'aurais pas dû ouvrir mon magasin tout de suite parce que on dirait que moi, en tant que barman, j'ai pas grand-chose dans cette ville-ci. Ah, ils sont pas freezés. C'est dans nourriture. Ouais, je sais, y a rien. C'est vraiment triste. On dirait que barman, il peut pas faire grand-chose. Oh yeah! C'est Merci pas du follow, normal. Lulu. Ouais, je sais, c'est ça que je me dis, mais au pire, on va demander aux autres personnes. Bonjour monsieur, ça va bien? Bonjour, très bien et vous? Ça va très bien, je viens juste d'ouvrir mon magasin. Je suis barman, mais finalement, j'ai pas rien à vendre dans mon inventaire. D'un coup que le gars peut nous aider. Ah, ben oui, Je c'est. pense, monsieur, qu'on s'est parlé tout à l'heure, si vous vous rappelez. Oh yeah! Merci du follow, Max. Ah oui, vous êtes monsieur Dom, est-ce que c'est ça? C'est bien ça, oui. Et que j'ai une bonne mémoire. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, comme vous voyez, j'ai des beaux comptoirs avec des trous dedans. Oui. Ah, vous voulez, en fait, vous voulez les faire juste avancer, c'est bien ça? Pour Ben, les aligner, quoi. toutes les coller. Ouais, s'il vous plaît. Ils ont tous un millimètre entre En chaque. fait, je vais vous montrer vite fait un petit. En fait, vous prenez votre toll, donc vous prenez votre toll gun. Précision. Et vous cochez dans précision le push-pull, le freeze-targ et l'auto-aligne. Oh là 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 là. Faut qu'il aille trop vite. Auto-aligne. Oh, c'est tout en anglais là. Freeze target. Weld. Oui, peut-être que je vous le répète. Peut-être parce que moi, c'est comme dans une autre langue. Pareil, pareil, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc dans votre précision, vous cochez, voyez, il y a des petites cases à cocher. Donc il y a le push pull, ça faut le cocher, c'est la première au-dessus. Je vois qu'elle est cochée. Puis après il y a la freeze targer, juste en dessous, tout en dessous, faut le cocher aussi. Puis il y a l'auto-aligne, faut le cocher aussi. Le reste, faut pas Auto-aligne. cocher. Ok. Il est où le auto-aligne? Je crois que je suis correct, mais je vois pas le auto-aligne. Toaling, il est juste en dessous du freeze target. Oh, ok. Ok, good. Ah oui, alors petite précision, cliquez sur donc dans le toll mode, vous mettez, vous cochez juste, ben vous cochez pas, vous cliquez sur l'appli, le premier numéro 1.
Apply, appli. Ok, au lieu de weld. Auto-aligne. Ah. Ok. Donc c'est juste oui. En dessous là. J'étais pas dans le bon menu, c'est pour ça. Là, voilà, voilà. Nickel. Voilà, voilà. Eh ben voilà, donc là maintenant vous voyez normalement. Bye LolGamer, c'est Freestaz qui donc le Freestaz qui est coché et l'auto qui est coché. Faut juste décocher le disable. Disable il sert à rien. D'accord, et le push, je le disable, le premier en haut. Ouais, okay. Gamer, c'est ZK qui est faut là. Le cocher aussi, le push. Donc le premier tout au-dessus, faut le cocher. Alors, je vais prendre un petit cours comme ça, là, puis après ça, on va revenir à RP. Là. Oh. Voilà, voilà. Donc, ouais, c'est ainsi de suite. Ça, de vous pousser, vous de l'autre côté, quoi, essayer de l'aligner au maximum. Donc pour le faire avancer, donc regardez bien, faut vraiment bien l'aligner en fait. Faut faire un clic droit pour le faire légèrement avancer. Pour tirer, ok. Il y en a qui disent c'est E, il y en a qui disent c'est R. Ok, moi c'est R. Quand même compliqué car ma touche pour le reculer, c'est le téléphone qui s'ouvre. Ah, moi c'est même pas ça, moi c'est via la souris moi. Ça marche pas, tu vois bien. Merci Max. Là, tu le mets en weld? Ok, ça dépend du monde dans le fond. Ok. Bon. Donc là, on peut pas dire que ça a fonctionné comme je voulais. Parce qu'il y a encore une craque entre mes contours. Mais là, ça règle pas le problème que j'ai rien à vendre. Rien n'est disponible. Pas long, hein. Mais bon, je précise que le BTB Barman il est toujours en jour bêta, hein. Donc il est encore en. Il s'est encore rien mis dessus. Donc si vous voulez vente, okay. Genre nourriture, boisson, burger, faut vous mettre cuisinier quoi. Faut faire de la cuisine quoi. Ok, je vais m'en aller, je vais changer de profession, je vais aller cuisiner. Et merci Max. Et puis vous revenez ici de toute façon comme ça. Si je suis capable de revenir. Pancarte, si vous voulez, comme ça, les gens sauront que c'est comment, c'est un restaurant ici. Oui, oui. Oui, oui, c'est une bonne idée. Cuisinier, il y en a-tu un chef? Ah non, c'est pas un chef, ça c'est un. Je ne sais pas. Mais bon, bon, c'est pas grave. Nous n'avons pas la place pour être payé chez nous. Je crois qu'il faut fermer les portes après, hein. Tu pourrais être un peu hot, là. Tu fermes les portes. Bon, moi, j'avais pas vu la station. Oh, là, je suis rendu où c'est qu'il y a le taxi, pis tout. Je sais pas, c'est par où revenir. C'est quelle rue ça? Broadway puis Griff. Allez sur Broadway. La bouffe est revenue à 98 à cause que j'ai fait ça. Nice. Ah ouais, je suis passé ici, me semble. Ah, j'espère que je vais pas me faire tuer. C'est vraiment nul, je me fais tuer là.
Il y a un gun, puis c'est un gars de gang de rue. Ok, c'est bon. J'ai passé. Votre présence sur TeamSpeak est demandée. Comment ça? Je peux parler dans le jeu? Ah, fait que j'ai été par là, à la bonne direction. Yes, sir. Puis là, mon nouveau camarade, il a mis une pancarte supposée. Ah, ben oui, il y a une barricade. C'est clair. McDonald's. Menu Big Mac, frites 50€, pizza 20. Oh, 20€ la pizza, c'est pas cher. Mega pizza 5,40. Puis. Ok, l'affiche, on la voit pas bien, mais c'est chill. Ouais, ben j'ai fait un genre de 50 minutes de download de add-on tantôt. Fait que là, je me suis dit, je vais jouer comme ça. Puis plus tard, demain, je vais essayer de corriger ça. Alors, mettons que j'essaie de faire une pizza. Métier, nourriture. Une pizza au fromage, 15€, je la vends à 20, c'est ça qui m'a dit. Hein. C'est ça qui est écrit. Big Mac, frites, 50€. Ok. Un Big Mac plus frites. Je sais pas c'est quoi le Big Mac frites, mais. On peut. Ok. Ah, oh, hamburger. Ok. Avec frites. Y a pas de frites. Fait que ça va être un hamburger au bacon. Ben, c'est des prix cheap, hein? Pas cher. Ouais. Bon, hamburger plus frites. Ça fait 35€. 45€, je vends ça 50. Je me fais 5$. Ok, c'est mieux qu'arrive. Puis. Pizza 20€, il y avait 40, puis pizza fromage 15, il y avait 20. Ok, bon, on va y aller de même, c'est chill. Moi, je vais acheter une pizza. Ah oh, non, je vais attendre. Bonjour, est-ce qu'on a faim? Voilà, voilà. Je reviens. Tu veux que je change les prix? Les mettre plus cher si tu veux. Ben mettons que, autre les frites du Big Mac, ça va être moins compliqué. Je sais pas, tu me dis tes prix, je les mets. Ok, on check ça. Nourriture. Pizza, nature, 20$, pas 25, 30$. On fait le double. Pizza, nature, oh, je pense qu'on m'entend pas quand je suis dans le menu. Ben il m'entend sur Twitch, ok. Pizza nature, pizza au fromage, ça pourrait être 30$. Pizza au chorizo, ça pourrait être 40. Puis le hamburger Big Mac, ça pourrait être 40. Mettons, le hamburger, c'est le gros rabais. Là. C'est rien que des hamburgers que je vais vendre. Ou dans le fond, le hamburger 50, comme que t'avais mis. Mais pas de frites. Ouais. Jumbo la Burn, salut. Ok. Oh yeah, merci du follow. Yes sir. Alors, je sais pas si vous avez entendu dans mes pensées, mais le Big Mac pour 50, c'est bon, mais pas de frites, parce que c'est trop compliqué pour moi. Puis pizza nature 30, puis méga pizza 40. Comme ça, c'est le double, puis moi, dans ma tête, quand je check les prix, c'est moins compliqué. Ok, attends, je te mets la pizza nature à 30, alors. 40. Bonjour, je veux un poulet. Bonjour, ça va bien? Oui, est-ce que je peux avoir un poulet, s'il vous plaît? Oui, un instant, je vais regarder si j'ai ça.
poulet? Quoi qui parle un poulet? C'est un McDonald's. Tu as l'air d'avoir du poulet? Par contre, si je peux me permettre, vous avez de la concurrence au Taco Bell. Deux autres personnes qui sont installées là. Oui, mais ici, c'est une petite entreprise familiale de génération en génération. On n'a pas de poulet, mais on a d'autres choses. On a du sushi, Big Mac, pizza nature, pizza toute garnie. Bah, je reviendrai un tout petit peu plus tard, je vous prendrai pas mal de trucs. Je suis okay. Un gros mangeur. Ok, bonne journée. Bonne journée. Voilà, je t'ai mis à 30, si tu veux rajouter des aliments ou de la nourriture, tu me le dis, je te les note. C'est parfait, mais là, explique-moi comment je fais donner des frites, puis comme ça, je vais mieux comprendre. Et je donne du bacon, dans le fond? Bah, en fait, le menu du Big Mac plus frites, en fait, c'est le bête assiette hamburger, là. Il y a les frites avec. Ok, c'est bon, c'est bon. Ça fait comme partie de tout. Puis ça, c'est votre voiture dehors. Je vais regarder, voir si elle est belle. Oui, c'est la voiture de Vin Diesel, monsieur. Mais non, c'est la vôtre. C'est la vraie. Ah oui, c'est la mienne. Ah, elle aurait été mieux en rouge. Non, c'est une joke. Très joli, très joli. Bon, là, ici, il faut que j'essaie de mettre des meubles nice, là, tu sais, là, genre... Vous laissez, je vais essayer de vous ramener quelques clients, ça devrait... Je vais faire la pub pour vous. Oh, merci beaucoup! Ça va aller tout seul, vous allez voir du monde. À tout à l'heure! Fast and Furious, ouais, c'est ça qu'il disait, ouais. À tout à l'heure. Là, j'ai mis une tasse à terre, mais... Oh, elle est là. Ah non, ça a pogné le meuble. Non, je veux pas le meuble, je veux la tasse. Ouais, c'est un restaurant, là. Ici, je mets des tasses. Bon. Et moi, je mets mes tasses, là. C'est comme mon armoire à tasses. Quand tu fais Z, tu peux pogner l'item. Et je vais essayer de faire Z. Oh my god, il y a de l'action dehors. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous avez faim? Big Burger pour tout le monde, s'il vous plaît. C'est moi qui régale. Ouais, ouais, ouais. On a très très faim. Des Big Burger, mais j'en veux pleuvoir, s'il vous plaît. Parfait, parfait. Juste un instant. Oh là là. Regardez-moi ça. Donnez-moi beaucoup de Big Burger. C'est quoi ça? C'est d'argent, ça? Oh, mais c'est un peu plus de table, hein. On peut pas manger à beaucoup. Et putain, faut avoir des grandes jambes, ça. Très grandes jambes. Oh là là. Manger, vous êtes obligé de vous lever ici. Bonjour monsieur. Vous avez vu? Et Colin, j'ai de la misère. Sacramento. Vous avez une tasse qui est cachée au milieu. Ah, merci. Oui, c'est là que je sers mes tasses. Bonjour. Est-ce que vous vendez des pasta box de micro-ondes, s'il vous plaît? Je voudrais en apporter sur moi pour d'éventuels besoins plus futurs. Oh my god, c'est quoi qu'il veut lui? Je comprends rien. Non mais j'ai commandé des Big Burger pour tout le monde. Là pour l'instant, on déguste les Big Burger. Oui, votre collègue, il paye pour tout le monde. Je paye les Big Burger. Allez-y, allez-y. Merci, sergent Région. Ah, je vous en prie. Et là, j'ai tellement de la misère. Oublie ça, là. C'est ridicule. Il m'a donné 1600$. Ben non, j'avais 900$. Il m'a donné, genre... Est-ce que tout le monde a été servi ou j'en ai fait un de plus peut-être? Tout à fait, bah hop là, j'en fais un de plus. Je vais vous donner un banc si vous voulez.
Bon. Auriez-vous peut-être quelques chaises en rabat à nous prêter? Happy birthday to you, good man. Happy birthday. Miam, miam, miam. C'est ridicule. Oh my god. Désolé, j'avais serré le banc. Monsieur, vous pourriez rapprocher des chaises. Vous consommez des stupéfiants, monsieur. Non, non, je suis nouveau au restaurant, puis je m'adapte. Vous êtes sûr, vous n'avez pas consommé de stupéfiants? Je suis certain, je peux passer le test si vous voulez prendre une prise de sang, c'est comme vous voulez. Il m'a donné 800, j'ai donné 4 burgers, c'est tout. Le test salivaire, monsieur. Hein? Allez me regarder, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Il y a les yeux rouges quand même. Hein? C'est quoi la joke? Là? Je fais assemblant. Dites-moi, où est votre cuisine, s'il vous plaît? Ouais, on est en construction là, pour le moment. J'ai commandé des burgers, puis j'ai mis dans le frigidaire. C'est ce que je dis. Monsieur, vous... Oula, le test. Il y a des choses bizarres, monsieur, qui se passent ici, monsieur. Votre siège, il vole. Non, monsieur, il est fixé au mur. Celui-là, il est vissé dans le mur. Écoutez, monsieur, est-ce que je passe le test, monsieur? Parce qu'il me pose des questions, j'ai de la misère à garder la bouche ouverte. J'ai le résultat du test. Le test est positif au cannabis et aux extasies. Donc tout ce qui est un peu drogue de synthèse, là. Hein? La NDA ou je ne sais quoi. Oh, il y a une tasse ici. Vous voyez, vous avez foutu une tasse dans votre truc en plus. Oui, c'est là que je sers mes tasses sales. J'ai une tasse dans le meuble. Merci du follow. Oh my god, merci du follow, welcome. L'utilisation de produits stupéfiants est interdite et également. Oui, mais je suis au courant. Je comprends vraiment pas pourquoi le test il donne ça. Là. J'ai jamais consommé de ma vie. Le test il donne ça, nous. J'en avais pas. Je me suis dit un meuble dans la boutique. Je reviens, collègue. Apparemment, vous. Vous aviez quand même peut-être même picolé, je sais pas, on n'a pas fait le test s'il faut le faire souffler, je pense pas, mais... Je préférerais souffler puis d'être détecté avec un peu de taux d'alcool, parce que j'ai pas consommé de drogue. Pardon monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait manger ou... On va vous laisser dehors, mais alors... S'il vous plaît, agent de la BPE. Mais si vous voulez, je peux vous donner de la nourriture gratuitement lorsque vous venez. S'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que les gens ont des jambes de 15 mètres et des bras de 15 mètres? Quand on est assis sur les banquettes, on ne peut même pas déguster le plat. Oui, j'ai comme eu de la difficulté ici. Il y a deux personnes avec des chapeaux noirs armés qui protègent l'ATM se faisant hacker. Au sort, mon cher. Venez quand vous voulez, hein, je vais vous faire un rabais. Ils n'ont pas compris. Attention. Attention. Désolé, monsieur. Bon, je vais vous prendre un menu. Il y a un policier manqué son livre. Oh non, il est là. Oh my god. Monsieur, je vais prendre un Big Mac, s'il vous plaît. Oui, parfait. Je vous en offre deux. Et là là. Oh. Vous êtes très gentil avec les gens de police. Avec des frites. Ok, F4. Nourriture, Big Mac. Oh là là. Ah, je veux mon cash. Ok. Le Big Mac, il est où? Je vais passer mon Big Mac. Je vous en refais un autre. Le Big Mac, il est parti, man! En fait, je suis gérant, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, à plus. Oh, toute la police à ton restaurant, ben... Oui, j'avais toute la police, ouais, c'était de la... Oh my god! Bonsoir. C'est toi, mon cher Dom? Ça serait pour un menu Big Mac. Oui, oui, c'est moi. C'est toi qui es à tout amener? Je vais faire un petit Big Mac, là. Ils ont dit que j'avais consommé de la drogue. Ils ont mal vu leur test, eux autres.
C'est chill, je te l'offre gratis. Merci, merci, tiens, tiens. Hop. Voilà, un petit pourboire avec, en dessous de toi. C'est beaucoup, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Salut là. Eh là là, faut plus qu'il m'envoie de clients. Non mais c'est une joke là, mais... Ouh! Là, il dit que la table est trop loin. Elle est même pas loin. Ouais, c'est ça, avec sa visière pis toutes les kits, c'est clair qu'il a mal vu là. Mille de pourboire. Oh my god, il est gentil, mais là, il faudrait que j'aille porter ça à la banque. Anyway, il faut que je fasse d'autres banquettes, là. C'était supposé être un bar, finalement. C'est plus un bar. Ok, là, là, faut que je me mette des meubles, des tables, faut que je fasse quelque chose. Y a-tu juste cette table-là ou y en a d'autres? Ok, il est pas à l'invitation, je me suis fait dire tout à l'heure. Je me le suis fait dire. Ah! J'ai hit le prop limit. Ok, on va détruire des trucs parce que là. Ah, j'haïs ça quand ça fait ça. Je lâche le meuble pis cling, il se téléporte super loin, il revole, ça n'a même pas de sens. Là, une table. Une table, top. P. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Pourquoi qu'elle a flippé de même? Je comprends pas.
C'est ben trop dur. J'en reviens pas. Je vous fais tout un show là. Tout un show. Non, c'est pas de client. Oh my god! J'ai un message. Bon, comment qu'on fait ça là? Ça me fait vraiment là. Oh my god. J'espère que je vais avoir un achievement, hein, pour avoir placé une table, un achievement dans le jeu. C'est ça que l'autre c'est Dom Toretto, ok, je comprends, il a vraiment pris le nom, ok, hey, ça m'a pris tout ce temps-là à comprendre. Et là en théorie, là. C'est correct. Ça a l'air bon. Oh, pas la police site là. Je vais ouvrir la porte. Et la police a couru après lui. C'est trop hot. Regardez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et ça c'est un bug. qu'est-ce qu'il y a là lui? Bonjour monsieur, bonjour madame. J'avais mis un meuble sur votre côté, désolé. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Je suis témoin. Vous n'auriez pas quelque chose pour remorquer ce machin là? Ah non, désolé, moi je suis cuisinier, mais je suis témoin. Est-ce qu'il faut faire un document pour l'accident? Monsieur non, le policier, sous ma gueule, il rigole parce que mon véhicule est d'un... Ouais, c'est vrai que mon véhicule est dans un... Je confirme, l'arbre, il a foncé. Ouais. C'est l'arbre qui a foncé sur le véhicule. Monsieur, la voiture, elle roule toujours, regardez, les roues fonctionnent toujours. Et... Éteignez le moteur, c'est dangereux qu'elle explose. Vous savez pas c'est quoi cette bagnole-là? Faudrait peut-être appeler les... à des panneurs ou quoi, non? Ouais. Moi j'ai un cellulaire, je peux peut-être appeler. Monsieur, vous n'auriez pas une corde dans votre carriote, là? Non. Bonne chance, là. J'ai laissé mon magasin ouvert.
Bon, j'allais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me vole. Personne qui a rien à voler, ça. Tu vois bien qu'il n'y a rien à voler. Oh, j'ai mis une table là! Ah, j'ai pas le choix, là. Le sofa, ça fait beau, là, mais... J'ai pas assez de prop. Ah, oui, j'en ai, je viens d'en détruire. Ah, oh, moi c'est le meuble qui se fout de ma gueule. Il est en angle comme ça. Ah bon, c'est mieux comme ça. On fait la course. Aïe aïe aïe. Mais c'est parce que je connais le policier personnellement. Puis l'autre, ben c'est ZK dans le chat. Ben là dans le chat Twitch, là, il est plus là, là. Mais anyway, c'est chill. C'est juste drôle. C'est juste vraiment drôle. Manque une table. Ouais, t'es en feu. Mais là, est-ce qu'il y a moyen que je soude ça pour que... Ça bouge plus, genre? Toutes mes meubles peuvent bouger si quelqu'un les accroche. Fait que je vais faire la précision, puis je vais aller les soude. Weld. Weld, ça veut dire souder, fait que... Sont-tu tout soudé? Oh, il est rendu invisible. Il faudrait genre une petite table pour... une petite table de salon. Chose comme ça. Je veux juste elle. Ah, et anyway, j'ai la limite. Fait que... Ah, ça s'appelle souder! Une soudure crée un lien fixe entre tes objets. Vous pouvez faire un clic droit pour utiliser la soudure facile qui va coller l'objet par-dessus l'autre. Ah, oh, c'est restricted, c'est juste pour les admins. Mais désolé. Là, j'ai pas de four, j'ai pas rien. Oh, j'ai quelqu'un qui s'en est mangé.
Oh, un beau véhicule. Ok. Yeah, un 6 roues. Big boss. Nice. Oh, ici, il y a... Oh, il y a une plaque. C'est moi qui l'ai mis là. Je vais la détruire. On va mettre une table. Une table avec une nappe dessus. Là. Furniture stove. Je peux même pas monter là-dessus. Ah ouais, je peux. Il est là mon four, hein? Demandez-moi puis il est où? Ah non, je peux pas passer. Ah oui, je peux. Je vais mettre ailleurs mon four. C'est un peu sale. Ouais. Et un chef cuisinier, il s'en vient faire quoi ici? Moi j'engage pas. Ma bouffe est à 45, puis je suis un cuisinier. C'est parce que bingo. Je pense qu'il faut que je mange. Je fais pour la manger. Oh, ma bouffe est à 83. Ok. Je pourrais mettre la bouffe là. C'est déjà prêt. Je vais mettre une pizza là-dessus. Parce qu'elle est en train de cuire ma pizza, c'est pour ça qu'elle ressemble à ça là. Bonsoir monsieur, ça va bien? Allô? Oui, vous? Oui, c'est un petit peu plus tranquille là. Vous voyez, ma pizza est en train de cuire. Il y avait beaucoup de policiers tantôt. Oui, je pense qu'ils cherchaient des puces, puis finalement ils en ont pas trouvé. Fait que tout a bien été. Tant mieux. Un collègue à vous. Bonjour oui. Monsieur. Bonjour. Avec s'il vous plaît. Oui. Avec frais. Il est frais cuit en plus. C'est ça coûte. Mais déjà qu'il est pas un peu froid depuis le temps. Ah, il sort du four, monsieur. Il était sur le four. Je venais juste de mettre. Il est où le Big Mac? Merde, à chaque fois il me dit ça. Bon, ben peut-être qu'il a disparu parce qu'il était pas assez frais. Je vais en faire un autre. Je te dis. Comment ça va, M.
vendez des produits pas frais, monsieur? C'est tout frais, mais quand ça disparaît, il y a une raison. Merci beaucoup. Bienvenue. Ouais. Moi, je vais prendre une pizza. C'est combien? Ok, good. Pizza, pas cher, pas cher. 40 euros. Une pizza. Au fromage ou à l'dress? Ok. Une méga prix pizza. Pourquoi qu'elle est à l'envers? Est-ce que vous faites des Whoppers? Des hamburgers Whoppers, ouais. Ah, derrière. Merci, mon cher policier. Repassez quand vous voulez. Très bien. Mais on fait des hamburgers Whoppers. Est-ce que le gars est parti? Bonne journée. Bonjour, monsieur. Yo, ça va, mon cher? Ça va, ça se passe bien? Oui, oui, j'ai fait un petit peu de décoration, si vous voyez. Il y a plus de place, les tables et tout. Ça donne bien, ça donne très bien. Merci, merci. J'ai même mis un four parce que là, les... La clientèle, ça va? Il y a ouais. Monde qui vient? Ouais, c'est bien, c'est bien. Faudrait une machine ATM dans le resto, comme ça les gens pourraient retirer s'il n'y avait pas d'argent. Ouais, mais il y en a un, l'ATM, il est... Il y en a un près du concessionnaire, là-bas. Mais je vais y aller avec vous, je vais fermer le resto. Ah bah venez rentrer dans mon véhicule alors. Merci pour la ride. Ouais, de rien, de rien. Faites attention aux arbres. Vous inquiétez pas, je gère. Voilà, il y a un ATM ici. Oh, merci, merci, ça sera pas long. Ah, si. Allez-y, prenez votre temps. Faut pas que je fasse drop money. Faut juste que je fasse E. Vous êtes correct, monsieur? Monsieur, c'est pas bon de respirer ça là. Ça arrive. Oh là là. Parce que j'ai pas, à mon avis, j'ai pas encore assez mangé, à mon avis. Oh ben, je peux vous offrir quelque chose. Oh là là. Oh my god, il a failli faire un accident. Oh, le pick-up était dans le chemin, hein. À mon avis, il me faudra plus de gras, à mon avis. J'ai pas assez de gras en moi. Donc je vais vous prendre deux menus Big Mac, s'il vous plaît. Extra bacon pour avoir plus de gras. Merci. Je vous ai donné l'argent en dessous en même temps. Ah, du bacon. Ah, c'est bon. En plus, il est bien... Ah ouais, il est bien cuit, hein. Très bien cuit. Est-ce que vous avez eu votre Big Mac? Parce que je l'avais mis... Non, le Big Mac, je l'ai pas reçu, monsieur. Ok, ce sera pas long. Je ne crois pas. Et Colin, j'ai de la misère, moi, avec les nourritures qui disparaissent. Je monsieur, sais pas pourquoi. Je vais vous donner quelque chose de très important contre les voleurs. Merci. Je vais vous donner quelque chose qui va vous servir au cas où s'il y a des voleurs. Ok, ok, c'est de quoi qu'on parle? Tenez. Et prenez. Je te dis,
Caline de tabarnouche. Oh! Prenez-la et regardez. Merci du follow, Joe. Vous allez adorer, je crois. Bon, tabarnouche, vous, merci, mais là, j'ai pas le choix. Faut que j'aille déposer ça à la banque. Ben, monsieur, je vais vous donner une arme, là. Ouais. J'ai pas le permis, rien. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ça. Regardez toujours. Ça doit être quelque part. Oui, je l'ai, mais j'ose pas. J'ai pas mon permis pour le port d'armes. Oh, vous pouvez, y'a personne. Attendez, je regarde. Ouais, c'est bon, y'a personne, allez-y. Vous allez voir le beau calibre que c'est, vous allez adorer. Ouais, mais j'ai peur, là, vous m'incitez à. Oh, Linda Bin. En fait, je vous ai donné ça, en fait. C'est quoi ça? Très joli, je viens de checker, je me suis penché. Est-ce qu'on peut aller mettre ça à la banque? Dans mon inventaire de banque? Vous pouvez le mettre dans votre inventaire, il suffit de prendre l'arme et vous pensez très fort à S4 et très fort à commande et vous faites jeter son arme et puis après vous mettez votre inventaire et bien votre inventaire. Vous cliquez dessus. Je comprends rien. Jeter de l'argent, donner de l'argent, écrire un chèque. Jeter son arme. Il faut que j'utilise, j'imagine, pour faire ça. Et vous devez sortir votre arme. Donc vous devez. Attendez. Une fois que vous avez jeté votre arme, vous mettez votre inventaire. Puis après, vous cliquez clic gauche sur votre inventaire. Tout en avec l'arme. Où est l'inventaire? C'est écrit comment il est dans où est-ce qu'il y a les clés. Juste en dessous des clés. Ok, je pense que c'est fait. Parce que là, je pourrais pas. Je me ferai pas arrêter là, c'est ça? Non. Pour revoir votre inventaire, vous mettez encore votre inventaire et vous faites un clic droit. Vous verrez là votre inventaire. Ok, dedans, c'est bon. Il y a de l'action. Ouais, mais moi je. je te laisse là-dessus. Malade. J'ai débarré là. Oh là là, mais c'est un méchant beau gun qu'il m'a donné. Genre un sniper avec un beau skin pis tout. Nice. C'est vraiment nice. Bon. Mettons que j'essaye. Y a-tu tué quelqu'un? Il y a de l'action en ville, hein. J'ai peut-être pas pris l'endroit le plus safe pour faire un restaurant. Oh, anneau, on peut parler anonyme, ok. C'est slash anneau, message anonyme. Ok, bon. Là j'ai un four, j'ai une arme, on le dit à personne. J'ai juste 2500$, genre. C'est pas beaucoup. Puis là, j'ai une tasse qui est là. Puis là, ça l'énerve le monde. Là. Fait que je vais prendre mon tow gun. Je vais détruire ça. Ça, je vais essayer de la mettre à un endroit nice. Pour savoir si le monde veut des cafés. Ensuite, là, faut que je remette un comptoir. Ah, je vais faire copier. Souder, tirer, élastique, lumière. C'est quoi, non? C'est pas cool. Stacker.
c'est chill. Mettre ça à destructeur. Bon, ben le resto est quand même beau. On va faire une annonce. C'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse? Quelle rue? C'est quelle adresse? Je sais pas. Ok, je vais aller voir c'est quelle rue. Oh! En face de... EMS. En face de EMS. Bon, là, j'ai écrit adresse 190, mais c'est pas grave. Fait que là, ça l'a écrit quoi? Restaurant ouvert, spécialité Big Mac avec frites, petit commerce familial et sympa en face de EMS. Bon, j'espère qu'ils savent que c'est quoi EMS, c'est quoi c'est? Emergency Medical Specialist. C'est ça. Bon, je vais mettre des choses sur le feu parce que je fournis pas. Donc, il y a du bon. L'hamburger, il n'y a même pas la photo. Faut que tu cliques une fois, moi je tenais la clique pour rien. Ok. Et une clique, puis après ça t'avances, puis. Oh. Une autre. Oh, c'est en train de chauffer ça là. Il y a même du ketchup. Tout le kit. J'aurais dû te dire ça vient avec ketchup. Ouais, c'est pas pire. Mais là, pas grand monde. En plus, je suis proche d'une machine ATM. C'est pas pire. Pas pire pantoute. Jean-Paul Poitier est devenu gangster. Ouf. Faudrait peut-être que je mette des murs pour pas qu'il voit que mon four y est là. C'est ça qui est le fun. D'habitude, dans un resto, tu vas dans une autre pièce en arrière, puis c'est là qu'il y a les fours. Fait que tu mets plein de bouffe sur les tables, puis c'est déjà tout prêt. Mais c'est pas grave. Là, le monde me donne de l'argent, puis moi, à chaque fois, je check pas combien qu'il me donne. T'sais. Je me dis, bah, c'est pas grave. Fait que menu Big Mac plus frites, 50 euros. Pizza nature, 30 euros. Pizza, méga pizza, 40 euros. Quoi, ça a bien d'allure. Ça, c'est le double de ce qui est écrit dans mon inventaire. 15, je vends 30, 20, je vends 40, 35, je vends 50. Bon, c'est correct. Bol de pâte. Je vais essayer de voir c'est quoi que je peux vendre comme bouffe parce que les gens me demandent des trucs puis je... Oh, milkshake. Nice. Oh oh. Je me dépêche parce que... mettre sa table. Peut-être que j'ai pas la bonne affaire.
Et des milkshakes partant. Le milkshake là, là. Le shake est à laver. Il est tombé par terre, je vais dire, fait que je le lave. Hey. De la vaisselle sale, ben oui, c'est normal là-bas. 5 euros, j'ai pas gaspillé grand chose. Ah, j'ai pas mis de table là. Je voulais mettre une table. Ça cache pas mal. Faut que je le pitch jusqu'à temps qu'il tombe à l'endroit. Shift, CTRL, ALT, non, E, R, Q, non, ça marche pas. Bon, il y a de la vaisselle sale au lavabo, c'est correct. Bon, ma bouffe est à 64, fait que je vais consommer ça. Bon, je suis à 100. Bon, l'avantage d'être cuisinier, c'est que tu meurs pas de faim. C'est bien plus intéressant. Eux, ils voyaient qu'il y avait un verre dans mon comptoir. Pas pourquoi. Non, mais ça paraît pas. Ben là, je l'ai ôté. Non, ça n'a pas été vraiment efficace. C'est quand même drôle. J'ai oublié de regarder gauche-droite, mais je vais me faire écraser. C'est une erreur. C'est un banc. Moi, je fais mon curieux, ok? Oh oh. Eh, sacrément de tôt. Je suis mieux de m'en aller de là. Moi, là, là. Je fais pas du tout. Ah, j'ai même barricadé mon resto. Faudrait quand même que je mette quelque chose dans la porte, hein? Un prop, prop. Pour que s'il y a un voleur. Ah oh, ouais, je pourrais faire ça. Ok. On va mettre un pad là. Oh, un pattern. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous, monsieur? Très bien, je suis venu avec. Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un a faim? Tu prends quoi? Tu vas-y, choisis, tu prends quoi? Prends ce que tu veux. Moi je veux bien un sandwich, monsieur, un cheeseburger. D'accord, il est tout frais sur le four. Oh mon tabarnouche. Désolé, je l'ai échappé par terre, je vais vous en faire un autre. Non, laissez ça par terre, c'est pas bon. Et Colin, je l'ai échappé à terre. Et là là. C'est 50 euros s'il vous plaît. Moi ça sera une grande pizza s'il vous plaît. Une méga pizza. Attendez, on va payer. Il va payer pour moi à la fin, il a dit. Ah, c'est votre ami, ok, c'est bon. Ouais, je payerai pour lui. Une méga pizza. Merci, je vous dois combien? Alors pour aujourd'hui, là, faut que vous acceptez mon rabais, là, puisque vous êtes un bon client, là. C'est correct pour aujourd'hui. Il aime pas ça quand j'ai dit ça. Bon, laissez-moi quand même vous donner 100, tenez. Merci beaucoup. Derrière vous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Bonne journée.
Ah, mais c'est quand même le fun comme jeu. Quand t'es dans une vraie map, que le monde il tue pas tout le monde pour le fun, pis qu'ils font pas de free kill, pis toutes les kits, c'est le fun. Du vrai RP. Hein, du RP avec mon frère. Ah, je vous dis pas c'est qui par exemple. En fin de semaine, il prend congé, fait que ce sera pas en fin de semaine que ça commence. Fait qu'en fin de semaine, tu peux... Ouais, qu'est-ce qu'on avait dit? On pourra faire du ménage. Aïe aïe aïe. Ah ben c'est vraiment hot, moi je capote le RP là, ça me fait capoter. Bon ben là, regarde, j'ai mis une tasse là. Pis ça, hey. Là, y'a pas quelqu'un qui est bon à Gary Mode? Comme ZK, excuse-moi, j'ai déformé ton mot, ton nom. ZK, est-ce que tu pourrais m'expliquer, quand je fais apparaître un milkshake, est-ce qu'il y a moyen de le mettre à l'endroit avec le gravity gun? Parce que là, moi, franchement, là, j'essaye avec la touche E. Oh, Cricu, tu peux m'aider, toi? C'est bon, mais est-ce qu'il y a moyen que je le mette à l'endroit? Parce que j'ai fait apparaître un milkshake. Puis, il est sur le côté. De la misère. De la misère. Prends ton gun avec le fusil bleu. Ok, c'est l'autre gun. Ok. C'est le physique gun. Ok, bon là, qu'est-ce qu'on fait? Fais Alt E et contrôle-le avec ta souris. Alt E. J'ai fait Alt E puis il a disparu. Ah, oh, tu m'as fait une joke. Alt E, ça fait juste changer mes contrôles. Alt E, ça l'inverse mes contrôles. Là. C'était-tu une joke que tu me faisais? Ok, je peux pas avec lui. Ok, c'est bon. Ah non, mais moi c'est E pour bouger les objets. C'est comme si la bouffe, ça fonctionne pas. Ah non. Fallait que je fasse un pattern. Comme ça. Faut que je fasse destructeur. Détruire ça. Faut que je mette un chose qui pad pattern. Un là. Je vais mettre destructeur. Je peux pas détruire la bouffe. Eh, je vais la consommer. Bon, je l'ai consommé. J'ai perdu mon bureau. Je vais faire stacker pour remettre mon bureau. Eh là là, c'est compliqué quand même. Hein. D'un serveur à l'autre, les propriétés ici du tool gun sont pas dans le même ordre. Ok, on peut juste avec les objets puis pas la bouffe. Ah, mais c'est plate de donner un milkshake sur le côté. Mais ok, c'est bon. C'est bon, là au moins, confirme. Là, j'ai mis ça parce que moi, je voulais mettre quelque chose. C'est Fading Door. Ok. Là, je vais aller mettre mon Physique Gun. Puis. Colin est à lévitation. Oh la tabarnouche. Je vais la détruire. Je vais la détruire parce que ça prend une chose dans ma limite de prop. On peut pas faire assez de prop dans cette map là. Mais c'est pas grave, ils vont peut-être modifier ça dans le futur. Fading door, fading door. Ok.
Trading door. Ouais, déjà. Mais coudonc. Et moi, c'est juste avec E, regarde, là, je le tiens, le E. Ok, check ça comment je suis hot. Pas tant que ça, là, mais moi je suis fier de moi, ok? Merde, ça marche pas. Le serveur est écrit en bas à droite, c'est Elysion, écrit comme ça. C'est le 1. A disparu. Elle est où ma plaque de métal? Oh, ça a bien de l'allure, il a reculé la pancarte comme ça. On la voit tout le temps. Mais pourquoi que ma porte est plus là? Quand je fais fading door là. Toggle no effect start faded. C'est ça que j'ai fait, ça a pas marché. Bonsoir monsieur. Toute petite. Est-ce que vous avez faim? Dans l'urgent là, dans... Pardon? Est-ce que vous avez faim? Oui, j'ai très très faim. Mais j'ai pas d'argent monsieur, je suis totalement à la rue. Ok, je vous offre quelque chose. Ah, c'est très gentil monsieur. Merci beaucoup. Ouais, sushi au caviar. Ah, c'est parfait, monsieur. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Passez une bonne journée. Allez, j'ai donné du... ouais, ça marche pas, ma porte. Mais anyway, c'est pas grave. J'y ai donné du... sushi au caviar. Hein, 80$. L'affaire coûtait le plus cher. Juste parce que je suis gentil. Ok, mais là, mettons qu'on règle le problème de la porte. Quand que je pèse 1, c'est supposé faire apparaître le prop. Mais peut-être qu'on n'a pas le droit de bloquer des portes avec les props. Mais si... Oh, attends, j'ai une idée. J'ai vraiment une idée. Je me suis dit, l'autre là-bas, le keypad, il est trop loin. Je sais pas par cœur c'est quoi le IP CRIQ, mais yo, salut Fana, ça va?
Fanatic Jojo. Fait que je me suis dit, le keypad est trop loin, mais même avec lui, ça fonctionne pas. Oh! Le plancher vient de... Pourquoi il était bleu, le plancher? Ok, c'est la lumière. Ouais, et non, ça a pas fonctionné. Parce qu'on a des problèmes de lumière, on doit manquer d'électricité. Parce que là, ça flash. C'est pas le soleil qui se couche. Oh, c'est peut-être le soleil qui shine. Ok, ben viens m'aider. Puis, moi j'ai perdu le morceau. Hein. Là, ça fait que je peux prendre un props de moins. J'ai comme perdu le prop. C'est plate parce que... Je fais le tour de ma bâtisse tout d'un coup. Que je trouve de quoi que j'ai créé sans faire exprès. 45 000 heures. Non, pas 45 000 heures. Ça pas d'allure. Anyway. En gros, t'as joué en tabarnouche. Ouais. Là, je pourrais plus refaire un morceau, hein. Là, j'ai la limite parce que j'ai un morceau qui est invisible, puis qui est... On le voit Excusez-moi, pas. Excusez-moi, monsieur. Oui, bonjour. Monsieur? Oui. Est-ce que vous savez où on peut avoir des armes? Oh là là. Non, je sais pas qui vend des armes, mais moi, c'est la nourriture. Si jamais vous avez faim, vous pouvez passer. Moi, okay, je suis déjà venu avec mon ami tout à l'heure. Vous vouliez nous offrir. Vous êtes vraiment très gentil. On viendra ici, vous inquiétez pas. Parfait. Bon, allez, au revoir. Bonne journée. Mais je pensais qu'il allait dire j'allais y offrir des armes tantôt quand il était venu. Là, je comprenais pas. J'étais là, non, t'as pas fait d'armes tantôt. Là. Ouais, ok, mais je sais qu'il y avait du perp RP. Puis à part de ça. Est-ce que tout le monde est là encore? Le monde qui sont venus chiller avec moi, là, les policiers? La SWAT? Oh, il y a un gardien de la paix ici. Pourquoi il flash? Il en a tué un? Non, il en a tué moins un. Puis il est mort une fois. Merde, il est mort. C'est plate. Garagiste. Ok, il y a un garage ici là, dans l'autre map. J'avais été dans un autre serveur hier. J'étais un garagiste puis il n'y avait pas de garage. J'étais pas mal déçu. Fermez la porte. Ah non, ça les incite à venir. Hein. La porte est ouverte. Genre, c'est comme le magasin est ouvert. Là, j'ai atteint la limite de mes prep. Fait que là, si je veux faire une porte une deuxième fois, il faut que j'ôte quelque chose. Là, je vais encore mettre quelque chose sur le four. Puis j'espère. Ça va être correct. Hey, ça serait fun de rajouter des raccourcis, hein. Tu sais, comme je mettrais 7, 8, 9. Tu sais, ça serait 7, 8, 9. Non, 9, ça serait l'hamburger. Des pâtes. Merde. Un policier qui rentre pis qui me tue. C'est qui m'a tué? Ah, nos RP toutes là.
Ok, il a fait un ticket, ça veut dire que le gars, il a peut-être été averti, mais je sais pas c'est qui le gars, j'avais pas vu son nom, rien. Fait qu'est-ce que je vais me faire revivu, ressusciti? Non, mais résurrecté, revivre. Fait, slash, slash, sujet. Ben, c'est pas correct ce que j'ai fait? Il arrête. Le serveur il arrête pas d'écrire votre présence sur notre TeamSpeak est demandée. C'est parce que tu l'as à faire du TeamSpeak. Ressusciter. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ressusciter. Je me suis tellement habitué à dire tout croche que je suis capable de le dire. Non, on va aller voir s'il y a des admins là. Modo test, modo test. Les deux modes sont en test. Y a-t-il un médecin qui fait qui ressuscite le monde? Je pense pas. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est vous l'admin? Non, 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 moi c'est moi sur ton live. Ok, ben c'est ça, je suis mort. Oh là là. Hey Chris, t'en as des erreurs, ouais. Toi aussi, t'as pas, tu vois beaucoup d'erreurs? Là, j'ai pas le droit de parler quand je suis mort. Y'a pas d'admin ici? Colin! J'ai-tu perdu de l'argent? Oui, je pense pas. J'ai 300 pièces. Je vais aller au bureau de police. Ah, un cri-cu, je vais aller à la police. Là. Police, police! Ah non, c'est pas la police dans le fond. Je suis mort. J'ai pas le droit de revivre hein, si je suis mort. Faut que je change de son, de nom. Ah, il y a tellement d'erreurs. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, y a quelqu'un qui est venu me braquer avec une arme dans mon restaurant. Ah. J'ai un peu même. Viens avec moi. Hop, allez-y. Parce que c'était un policier, entrez, qu'est-ce que je vais faire? Entrez, entrez. J'entre en dedans? Ok, je vais rentrer. Voilà. Attendez deux petites secondes. Est-ce que je vous suis? Oh, attendez deux petites secondes. D'accord. Il va faire son bureau. Je suis sur le point de faire une déposition. Je vais faire à semblant que j'ai pas été tué parce que les admins n'ont pas répondu. Fait que je vais faire une. À semblant que j'ai été braqué. Mais qu'il a pas pris d'argent puis qu'il a tiré partout. Je sais pas ce que je vais dire. Il a tué mon frère. Parce qu'on va dire que moi, je suis le frère de moi-même, ok? Ouais. Ouais. On va voir s'il est meilleur que moi. Ah, lui aussi, ça fait le bug. Dis de faire entrer. Ouais, explique-moi. Là, les admins sont pas là. Mais ils répondent pas, fait que. Dis-lui de faire rentrer. Va bien, monsieur l'agent? C'est drôle le tool gun parce qu'on dirait un gun. Hein? C'est un gun qui a rajouté un dessin dessus. Ah,
Oh my god, moi aussi ça fait ça. Tu places quelque chose puis pouf, elle revole. Oh yeah, merci du follow Dylan. Dylan, merci. Qui crie de même? Il y a une ATM direct là. Monsieur, faut se dépêcher. Oui, alors venez. Allez, installez-vous sur le siège au fond, s'il vous plaît. Au fond? Je prends un dépôt de plainte. C'est Alt plus E, monsieur, pour vous asseoir. Voilà. Merci. Donc, racontez-moi ce qui s'est passé dans les moindres détails. Comment j'explique ça? Parce que c'est un mensonge, dans le fond. Quelqu'un est rentré, il a pointé son arme, et il m'a tiré dans la jambe. À quoi ressemblait cet homme, s'il vous plaît, monsieur? Auriez-vous son identité, peut-être? J'ai pas vu son identité, j'ai vu qu'il avait une moustache, qu'il avait le teint basané, en tout cas. Puis, il était de la police. Donc, un policier vous a attiré ça? Oui, dites-le pas trop fort, j'aimerais pas ça... Pour quelle raison un policier vous arrête? J'ai aucune idée. Pour moi, je crois que c'est un policier corrompu. Je doute pas de nos policiers. Il y en aurait peut-être juste un. Alors, monsieur, est-ce que vous êtes toujours en activité? Parce que il se trouve que je meurs un peu de faim. Donc, est-ce que vous auriez une petite pizza? Oui, je vous l'offre. Pizza. Ah, bon. Donc, je vais faire mon enquête. Généralement sur leur veste, il y a écrit leur nom, leur matricule, etc. Vous n'aurez aucune information là-dessus? Vous n'avez aucune information sur qui il peut être? Comme je vous ai dit, j'ai vu qu'il y avait une moustache, puis qu'il y avait le teint un petit peu plus foncé que vous. Pâle, mais un peu plus foncé que vous, plus bronzé que vous. Mais pourquoi a-t-il fait ça en fait? Il est rentré, puis là, je me suis tourné parce que je voulais voir, je voulais comme, ah, il y a quelqu'un, je vais lui offrir de la nourriture parce que c'est un restaurant, puis pow! Alors, monsieur, par contre, c'est que les agents de police peuvent braquer les restaurants. Ni de tirer gratuitement sur les gens. Donc, pour régler cette affaire, je vous recommande de faire appel à un être divin. Oui, j'ai essayé, mais je pense qu'ils sont en break. Fait que je me suis dit, je vous fais confiance, vous, comme policier. Je crois vous avoir déjà vu dans mon restaurant. Fait que c'est pour ça. Oui, c'est ça. Anyway, on peut garder ça entre nous deux, puis vous faites votre petite enquête de votre côté. Vous ne viendriez pas du pays des caribous? Non. Vous pouvez dire ça, mais c'est un petit peu insultant, mon cher. Est-ce qu'il y a d'insultant, monsieur? Vous mangez pas des caribous et de la poutine? On mange de la poutine, oui, on mange beaucoup de poutine par chez moi. Comme si on mangeait ça tous les jours. Ça doit être trop pour la poutine, j'ai jamais goûté. C'est très bon, très très bon. Des patates frites dans la friteuse avec de la sauce barbecue, puis du fromage fondu. Ok, mais là on parle de ma vie. Alors on a fini, on peut aller voir mon restaurant s'il n'y a rien de brisé. Oui, vous pouvez partir. Est-ce que vous venez avec moi voir si mon restaurant est intact? Je vais replacer cette maudite chaise, voilà, c'est bon. Allez, venez avec moi. C'est même trop drôle. Ici, c'est un témoin qui m'a vu. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Siri. Vous avez vu le nom? Oui, vous l'avez dit quoi? Bah, je pense que je sais c'est qui.
Vous aussi vous venez des pays des caribous? Bah oui, ouais. C'est une invasion. Mais tu vois, c'est un peu insultant. Mais non, mais c'est pas... Pourquoi ce serait pas... Pourquoi ce serait insultant le pays caribou? Tu veux les caribous? Non, non, ça reparlera une autre fois, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Ah mais, moi, on me dit bien que je viens du pays des escargots. Est-ce que c'est insultant ou non? Ok, c'est chill. Moi, je vais dire des mots qu'il comprend pas. Je suis désolé d'avoir dit que c'est le pays des Caraïbes. Le pays de la poutine, ça vous va? Ah, ouais. Ouais. Elle m'en prend. Ah, poutine, c'est bon, hein. Pour vérifier si votre restaurant est intact, je vais vous suivre. Bon, est-ce que vous faites un... Ok, un lift? Ok, c'est bon. Viens, viens, mon cher. Comment ça se voit? Essaye d'être un peu moins vulgaire. S'il vous plaît. Pas la voiture, mais tous les personnages. Bah, y'a un truc à côté. Parce qu'il y a beaucoup de. FK, t'es en bas à gauche, t'as un add-on. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, tu fais F4, t'as plein d'add-on. Ça m'a pris du temps dans l'eau de ça, là. Il a pété mon lavabo. Non, moi je suis pas mort, j'ai réussi à survivre. Je vais imiter le policier avec ça, ok? Avec ça. Moi j'étais là. Moi j'étais exactement ici. Tac 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 tac, tac puis il est parti. Ça va au moins que... J'arrive pas à être sérieux avec votre accent. Je suis mort de rire. C'est bon, ça vous divertit. Je peux essayer de parler un petit peu mieux. Mais... Non, il n'y a pas de problème. Mais bon, bref, j'ai compris. Donc... Bah, je vais essayer de faire une enquête, mais le problème, c'est que, au cas où vous ne le sauriez pas... Johan Nikonov. Non, 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 c'est impossible que ce soit lui. Le petit problème que je vais vous expliquer rapidement, c'est que moi en HRP rapidement, en tant que policier, je ne peux pas menotter ni taser un autre policier, ni lui tirer dessus, je crois. Ok. Moi, je ne peux rien faire. Alors faites votre enquête, on garde ça entre nous, puis on va faire l'enquête, ok. Je vous remercie. Oula. Merci. À gauche, en arrière de vous. Oh my god. C'est lui le policier, je pense. Bonjour, c'est... Oui, je suis une chance. Ok, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Est-ce que vous avez faim, monsieur? Est-ce que vous avez faim? C'est un restaurant oui, ici. Moi là, il y a des tables. C'est lui qui t'a tué. Non, 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 il y avait une moustache. J'ai comme son image en tête, mais c'est pas lui. Puis c'est sûr que c'est pas Yann. Si c'est pas lui, si c'est pas l'autre, c'est Johan ou c'est Bruce ou Loïc. Mais ça peut pas être Loïc. Loïc, il y a aucun kill. Non, c'est Bruce. C'est Bruce Wynn. C'est Bruce Wynn. Ouais. Allô? Ouais. Bonjour. Vous faites quoi, vous? Je règle une enquête, monsieur. C'est quoi? Besoin de régler quelque chose. Ouais. Ok. Ça va bien, Yann? Je prendrai... Monsieur l'agent Yann. Johan, ouais. Désolé. Oui, ça va. Je vais prendre un menu Big Mac plus avec les frites en fait. Parfait, ça sera pas long. Je vous prépare ça. Fait que c'est chill, Krikyu, là. Pas grave. Je suis mort, c'est pas grave. Je suis vivant. Puis le gars s'y revient.
Merci. En dessous. Merci beaucoup, mon cher. Puis, passez une belle journée. Faites attention, hein. Certains de vos collègues sont dangereux. Ouais, ouais, je sais. Il y en a un en particulier. Bonne journée. Bonne journée. Oui, bonjour. C'est... bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Très bien. Il est aux anges, le policier. Je voudrais 2 mégapizza, 2 mini Big Mac plus frites et une pizza nature. Oh là là. Ça fait 100, 80, 210 dollars. Okay. 210 dollars. Okay. Nourriture. J'ai eu 250. Merci, je vous prépare ça, ce sera pas long. Oh non! Il vous a volé votre pizza. Qui m'a volé ma pizza? Monsieur, il a volé la pizza! Il a volé la pizza! Je vais le défoncer, ça va. Non, 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 c'est beau, je vais vous en offrir. Pizza. Le gars est parti, il faut que je prépare sa bouffe! Oh my god, anyway, je vais préparer sa bouffe là. Tiens, je te ramène. Tiens. Ok, mets-la sur le comptoir. À côté de l'autre. Tiens. Bonjour. Fils de pute. Bonjour. C'est malade! Arrêtez là! Oh là là! Tu l'as fourré dans le cul, what the pizza là! Calmez-vous! Monsieur l'agent! Vous pouvez voir la pizza là, même le cuisinier des témoins, monsieur! Vous allez me suivre! Monsieur le cuisinier, c'est un témoin! L'autre il est assis là-bas! Ça fait un peu d'action là. Moi j'avais encore un hamburger à préparer. Putain, c'était une trip. Aïe! C'était une trip chaud! Ok, mais sors! Sors d'ici! Vas-y, baisse-toi, toi, au lieu de me frapper, va! Oh! Ok, Arrête, vas-y, libère-moi! Stop. Qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne sort. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc vous avez tous vos moyens. Personne. Il a faim, il a faim. Ok, on l'a. Donc arrêtez l'autre, moi j'occupe. C'est pas moi, hein. Moi, j'ai rien fait, moi. Il m'a volé ma pizza. Cuisinier. Ah, il m'a volé ma pizza. Tu le frappais. Et j'en témoin. J'ai un témoin. Sur le mur. Moi, je suis sur le mur, mais j'ai rien fait. Monsieur cuisinier. T'es malade. Oh là là. Maintenant, suivez-moi. Putain. Bon, l'autre personne. Les arrive les monsieur cuisinier. Quand je reviendrai, vous me ferez mon oui. truc là. Oui. Y a aucun problème. Aucun problème. Tout à l'heure, monsieur cuisinier. Allez. À tantôt. Moi, je suis menotté. Hey, comment qu'on fait pour dézoomer de notre bonhomme? Bon, le resto est fermé. Là. Oh là 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 là, vous êtes malade. Bon. Ouais! Mais t'as volé une pizza, fallait pas ta vol. Hey, j'avais barré la porte, ça a même pas marché. C'est ça là. Arrête. Ah.
un peu de respect de la loi. Là. Moi, j'aime le RP. Là. Quand ça a des... Si vous suivez plus la loi, c'est pas le fun. Là. J'ai peur. Allez, pour le truc. Ouais, c'est bon, tu me l'as ramené, mais sur le coup, c'est ça qui a été l'élément déclencheur. C'est pour ça que je t'ai dit ça. J'ai peur. Hey, ma porte! Déclencheur. Bonjour, on va déclencher. Attention, ne bougez pas. 1, 2, 3. Oh my god. Oh, fais pas ça. Comment qu'on barre la porte? Moi j'ai besoin d'aide là. Comment qu'on barre la porte? Gars, je pogne les clés. Faites clic gauche. Et clic droite, on dirait que ça marche pas. Bonjour. On est fermé. Désolé, on est fermé aujourd'hui. Faut revenir demain. ZK, il va falloir que tu te calmes là. T'es une machine là. Oh, il y a un gun. J'ai peur. Bonjour, on est fermé. Il va falloir revenir demain. Désolé. Oh my god. Bonjour. Agent de police. Je t'écris même pas. T'es en train de tuer tout le monde. Bon. Anyway, on a eu du fun, toute la gang. Ok, clic gauche c'est barré, puis clic droit c'est débarré. Oui, c'est ça, Max. Parce que j'arrêtais pas de débarrer. Fait que les autres, je vais les laisser cogner, là. C'est pas grave. Moi, j'ai assez joué pour aujourd'hui. J'ai comme tapé un record. Il est 10h12. Normalement, j'arrête à 9h. 9h12. Fait que c'était super hot. C'était le fun. Le RP, c'était chill. Puis la construction, je trouve que ça s'est quand même bien passé. Quand je suis mort, il y a des choses que j'avais mis qui ont disparu. Je suppose que c'est les premières. Parce que j'avais mis le lavabo en premier. Ce comptoir-là en premier. Puis les deux choses ici en premier. Fait que c'est ça qui s'est passé. Que bonne nuit Max, bonne nuit ZK, bonne nuit CriQ, puis bonne nuit Johan. À la prochaine, puis c'était vraiment nice. J'ai aimé ça, comment qu'on se déconnecte là? Ah c'était là. Alors, bonne soirée à tous. On se revoit à la même heure, non mais à 7h30 p.m. demain soir. Peace. Bye.